Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Depuis 2011, des dizaines de milliers de tonnes d'algues sargasses viennent s'échouer sur les rivages des îles Caraïbes. Cap sur la Guadeloupe ce soir, où ces algues bleues posent de sérieux problèmes hygiéniques et économiques. Coup de projecteur sur le plus illustre palais de France et d'Europe, le Louvre, un musée qui accueille chaque année plus de 9 millions de visiteurs. Contre la radicalisation, le Tadjikistan traque barbe et voile noire. Les autorités locales déclarent ainsi la guerre à l'islam radical, au risque de dérives brutales et de répression. Le Liban s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos des déchets. 7 mois de crise, 550 000 tonnes d'ordures à l'air libre. Leurs exportations coûteront très cher, plus de 110 millions de dollars. Une solution qui ulcère les activistes de la société civile. Les algues qui envahissent tout, nous les avons filmées en Guadeloupe, sur ces îles françaises, comme d'ailleurs sur de nombreuses autres dans les Caraïbes. Ces sargasses sont un désastre pour l'environnement. Gaël Faure est allé à la rencontre de Roméo, un restaurateur. Il a peur pour la santé de ses proches et refuse que ces algues nauséabondes le forcent à fermer boutique. Alors là, c'était la plage de Porte d'Enfer, donc c'est un petit paradis. Sable blanc, lagon totalement turquoise. Voilà, et là maintenant, on peut dire que ça prend bien son nom, les portes de l'enfer. Parce que c'est devenu un enfer pour nous. Alors ici, on a l'échouage massif des algues sargasses. Donc ça a commencé en Guadeloupe en 2011. Avant, on n'en avait jamais encore vu. Et donc depuis 2011, l'été 2011, on en a qui arrivent comme ça régulièrement. Et donc avec des quantités assez impressionnantes. Et ça détruit totalement les plages. Ces sargasses poussent au large du Brésil, en se nourrissant des déchets rejetés à la mer par le fleuve Amazon. Elles se reproduisent à toute vitesse, puis elles dérivent jusqu'aux îles des Caraïbes. D'après les scientifiques, le phénomène se serait aggravé à cause du réchauffement climatique. On a fermé donc chaque été depuis 2011, et pour l'année 2015, on est sur plus de 6 mois de fermeture. Déjà, on a une perte de clientèle par rapport du fait que la plage n'est pas du tout praticable. Mais en plus, le dégagement de gaz H2S donc, qui nous pousse à fermer. Parce que l'odeur est totalement insoutenable. Cette odeur, c'est celle de l'hydrogène sulfuré qui émane des algues quand elles se décomposent. Ça ressemble à s'y méprendre à de l'œuf pourri. Mais ce gaz ne fait pas que sentir mauvais. En forte concentration, il est aussi nuisible pour la santé. Vous portez un masque à gaz ? Tout à fait. Oui, parce que je suis asthmatique et ça fait maintenant je ne peux plus respirer l'air. Et votre médecin vous a dit que c'était spécifiquement lié au sargasses ? Tout à fait, oui, parce qu'avant je n'étais pas aussi, aussi malade. J'arrive ici, j'ai mal au ventre, j'ai sensation de vouloir vomir et j'ai la gorge vraiment irritée. Si je ne porte pas le masque, impossible. Au bout d'une demi-heure à peu près, je suis vraiment malade. Je ne vais pas vous laisser trop longtemps sans masque. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Okay. Merci. L'entreprise familiale est au bord de la banqueroute. Roméo et ses parents ont cherché l'aide des autorités, mais le ministère de l'Environnement les a renvoyés à la préfecture de la Guadeloupe, qui ne leur a pas donné de réponse. Si la côte ouest de la Guadeloupe conserve ses allures de carte postale, de nombreuses plages à l'est sont envahies d'algues à répétition. Une catastrophe pour tous ceux qui vivent du tourisme, secteur vital pour l'économie. On a posé 240 mètres de barrages. C'est des boudins gonflables qui sont dans une jupe. La jupe continue de 80 cm en dessous. Didier loue des villas de vacances à Saint-François. Devant le manque de réponse des autorités, il a trouvé son propre moyen pour lutter contre les sargasses. Et vous avez les algues soit qui, si le vent est de sud, qui se bloquent sur le barrage, soit qui glissent le long de la jupe et qui empêchent les algues d'aller sur la plage. Quand les algues débarquent en masse, comme sur ces photos prises en septembre, le barrage prend alors tout son sens. Mais les sargasses vont alors s'échouer sur d'autres plages, ce qui ne fait que reporter le problème. Cependant pour Didier, son système D est une question de survie. Bah oui, on est tranquille parce que là, on a déjà eu des gens qui avaient réservé pour le mois de février et qui voulaient, trois villas qui voulaient annuler et on leur a dit à cause des sargasses
Ils avaient vu ça sur Internet, donc ils disent on annule. Et on leur a montré les photos, comme quoi c'était bloqué, que la plage n'avait plus d'algues et tout. Et les gens n'ont pas annulé. Pas de subvention, on a demandé, mais la préfecture n'a pas l'argent. Donc en tout, on en a pour 30 000 euros. Entièrement de notre poche. Si le barrage de Didier est efficace, il ne fonctionne que pour certaines plages où les eaux sont calmes. Il n'y a pas que ceux qui vivent du tourisme qui se plaignent des sargasses. Il y a aussi tous ceux qui habitent aux abords des plages les plus touchées, comme Jean-Louis. Sa maison est à 80 mètres de la plage de Galba. Ces sargasses, elles viennent tous les jours, tous les 15 jours, ça dépend. Mais par contre, quand elles arrivent, on sait que 3 jours après, il y a eu un début de décomposition, et là, ça devient infernal, donc au niveau des odeurs. L'accès à la plage et à la baignade sont interdites. Donc là, on n'a pas le droit d'y être. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'y être. Par contre, j'y habite. Chez Jean-Louis, comme chez tous ceux qui habitent près des plages touchées, les métaux rouillent à toute vitesse. Voilà, une pièce de 2 euros. Donc c'est vrai que c'est une pièce de 2 euros si je la retourne. Oui. Elle est comme ceci. Donc on l'expose pendant une dizaine de jours. Et là, ça devient une pièce toute noire. Dans le voisinage, tout le monde se plaint d'appareils électroniques endommagés. Ici, chez moi, tu sais, je perds tout. J'ai perdu déjà pratiquement 4 télés. Mm-hmm. Chaque fois que je les emmène chez un technicien, le technicien me dit que la télé n'est pas réparable parce que des problèmes de sargasse, l'acide sulfurique qui détruit tout. Beaucoup de riverains constatent qu'ils ont développé les mêmes symptômes. Yeux et gorges irrités, nausées et grande fatigue. Ils disent qu'on ne peut pas classer cette situation dans une catastrophe naturelle, qu'il faut déjà, parce qu'il n'y a pas de dégâts comme pour un cyclone, alors que ça a des dégâts, des conséquences beaucoup plus graves sur notre santé, je considère qu'un cyclone, parce que là, vous voyez déjà, je ne peux pas continuer longtemps, je suis obligée de prendre un peu d'eau pour pouvoir continuer ma discussion. Donc je pense que notre problème de santé, c'est très important. Ma fille, tout le temps, elle se plaint, papa, j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir et tout. Donc, c'est pas que nous, on est chez nous, on se sent bien chez nous, on a envie de déménager avec elle quelque part. Mais tout ça, c'est des frais. Pour ces propriétaires, impossible de revendre leur maison. Aujourd'hui, personne n'en voudrait. À une heure de bateau, l'île de Marie-Galante, qui dépend de la Guadeloupe. La petite ville de Capesterre, au sud-est de l'île, a été très durement touchée par les sargasses cet été. Mais suite à des manifestations, le plus gros des algues a récemment été ramassé. Et pour le moment, pas de nouveaux échouages de sargasses. Donc actuellement, tu as repris ton poids que tu avais avant, pratiquement ? Oui, ouais. Pratiquement. Tu manges normalement ? Je mange normalement. Tu n'as plus de troubles du sommeil ? Non. Betty a été hospitalisée plusieurs fois au cours de l'été. Elle se plaignait de divers symptômes, dont des maux de ventre violents. Mais les examens ne montraient rien d'anormal. Puis je suis rentrée chez moi, et quand je suis rentrée chez moi, rebelote. J'ai recommencé à me sentir mal, pas manger, le manger pas bon. Donc on en conclut que la seule chose qui fait qu'elle va mieux quand elle s'en va de son domicile, c'est qu'elle est plus exposée à l'hydrogène sulfuré. Depuis avril dernier, le docteur Catoni a signalé 52 cas qu'il considère liés aux sargasses. Au total, plus de 140 cas ont été rapportés à travers la Guadeloupe. Sur le long terme, je pense que ce qu'on peut craindre, c'est des problèmes respiratoires. Après, on sait très bien que ce gaz qui est proche du cyanure est toxique au niveau neurologique, mais à des doses plus élevées. Et ce qu'on ne sait pas, c'est quels seront les effets de doses plus faibles pendant des mois et des mois et des mois. Attendez, chacun son tour, voilà. Pour les tortues marines, les risques sont plus évidents. Les bébés peuvent mourir asphyxiés par les algues. C'est les petites tortues imbriquées que des gens avaient ramassées sur les plages. Dans un week-end où il y a eu beaucoup de sargasses, vous savez, toutes ces algues jaunes là qu'on a partout, on va aller les relâcher dans la plage qui est juste là, d'accord? Alors c'est pas la plage où elles ont été capturées, parce que si on les relâche du côté de Gosier, il y a encore des sargasses, et elles vont se retrouver avec le même problème d'être bloquées sous les sargasses ou d'être dans des eaux qui ont moins d'oxygène. Un tortillon, ça pèse quelques grammes. Et si vous mettez à côté une poignée de sargasses qui va vite peser près d'un kilo, le pauvre tortillon ne fait pas le poids en fait, il a du mal. S'il est sous les sargasses, il ne pourra jamais aller respirer et une tortue a besoin de respirer régulièrement. Pour le moment, les pays affectés par les sargasses n'ont pas trouvé de moyen d'attaquer le problème à sa source. Ils traitent donc les symptômes. En Guadeloupe, aujourd'hui, il n'y a que 2 options pour déblayer les plages. Il y a les pelleteuses, mais elles nuisent à l'habitat des tortues.
Puis il y a les brigades vertes qui enlèvent les sargasses à la main. Une centaine de salariés pour l'ensemble de la Guadeloupe. Sur toute la Guadeloupe, c'est pas grand-chose. Pour nous seuls, là, ici, là, il nous faudrait 200 personnes minimum pour les entiers, on va délaisser. Parce que là, je peux vous dire que l'État a pris l'initiative avec le préfet de ces brigades, mais pour les investissements, rien. Parce que vous ne vous rendez pas compte, que pour les machines, rien. Cette brigade de 20 personnes travaille 5 matinées par semaine. Mais avec la chaleur qui dépasse les 35 degrés, les pauses sont fréquentes. Le ramassage avance à pas de fourmi. J'ai constaté qu'il y a des gens qui, au début, travaillaient dur. Et maintenant, au fur et à mesure, on voit que ça revient. Il y a pas de, ça motive pas vraiment, en fait. C'est jamais complètement propre. On va voir que c'est propre. Peut-être le moment de la pause, les 30 minutes de pause, c'est déjà redevenu tout, ouais, comme c'était juste avant, quoi. Des entreprises privées sont en train de développer des systèmes de ramassage plus efficaces, comme ce bateau, le Sargator. C'est la seule solution puisque le Sargator récolte en mer. Donc à partir du moment où on récolte en mer, on n'impacte pas du tout les plages. Les touristes peuvent continuer à aller sur les plages sans être impactés par cette sargasse. Ce type de machine suscite l'intérêt des autorités. L'Agence de l'environnement a lancé un appel à projet. 800 000 euros seront débloqués pour tester des nouvelles idées pour ramasser les algues et trouver des façons de les recycler. Parmi les finalistes, plusieurs projets de récolte en mer. Nous avons privilégié les dispositifs qui permettent de concentrer et de maintenir les algues sargasses, voire de les dévier dans une zone pour les concentrer et pour les collecter par ailleurs. L'enjeu, c'est de ne pas aller collecter des algues qui ne s'échoueraient pas sur nos côtes. Donc on privilégiera l'action à quelques centaines de mètres, mais pas au-delà des côtes. Les premiers tests devraient commencer cet hiver. En attendant la mise en œuvre d'une solution miracle, les Guadeloupéens risquent de trouver le temps un peu long. Notre observateur Roméo, en tout cas, craint que si les sargasses sont toujours là en 2016, il faudra qu'ils mettent la clé sous la porte. Au moins 21 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées dans l'attentat qui a visé le campus de l'université Bachakan dans le nord-ouest du Pakistan le 20 janvier dernier. L'attaque a été revendiquée par une branche du mouvement des talibans pakistanais. Au Pakistan, la colère se mêle à l'émotion. Colère contre les terroristes, bien sûr, et colère contre le gouvernement accusé de ne pas suffisamment assurer la sécurité des écoles. Dans ces circonstances, eh bien, de plus en plus de professeurs choisissent de porter une arme. Reportage de Claire de Buzer, Kamal Abdourahim et Taha Siddiqui. Deux jours après l'attaque contre leur université, ces étudiants crient leur colère. Ils jurent de continuer coûte que coûte leurs études, malgré l'attentat qui a tué 21 personnes de leur campus. Nous sommes ici pour apprendre et nous terminerons nos études. Ce sont des lâches, nous n'avons pas peur d'eux. Nous irons au bout de nos études et lorsque nous aurons fini, nous irons les combattre. Aujourd'hui, peu d'élèves ont osé venir. Quelques dizaines seulement, contre près des 3000 habituellement. Les agents de sécurité déployés devant l'enceinte n'ont pas suffi à rassurer la plupart. Les plus déterminés disent qu'ils prendront eux-mêmes les armes pour se protéger en cas de nouvelle attaque. Je veux dire au gouvernement que s'il n'assure pas notre sécurité, nous nous en occuperons nous-mêmes. Nous sommes Pashtuns, on sait comment se protéger. Quoi qu'on fasse, ce sera mieux que ce que fait le gouvernement. Ce matin-là, le commando a profité du brouillard pour déjouer les gardes et entrer dans le campus. C'est dans le dortoir des garçons que les terroristes ont fait le plus de victimes. À part les couloirs lavés à la hâte, tout est resté en l'état. Il y a encore les vêtements des étudiants qui sèchent. Leurs affaires sont encore là. Quand les terroristes sont entrés ici, ils ont bloqué la porte d'entrée et ils ont commencé leur tuerie. Le bilan aurait pu être bien plus lourd sans l'action des gardes et de plusieurs étudiants armés. Ils ont fait face aux terroristes avant l'arrivée des soldats et permis aux autres de s'enfuir. Les 5 occupants de cette chambre ont été tués. Parmi eux, un élève qui a riposté au tir.
Kamran était un étudiant qui vivait dans cette chambre. Les terroristes ont cassé la porte parce qu'ils ne voulaient pas ouvrir. Kamran leur a tiré dessus depuis cette fenêtre. Alors ils ont lancé une grenade. Ici, Hamid Hussein enseignait la chimie. Quand les terroristes sont entrés, ce père de deux enfants a répliqué avec son pistolet avant d'être abattu. Il l'avait acheté peu de temps après l'attentat contre l'école militaire de Peshawar en décembre 2014, qui a fait 151 morts, dont 134 enfants. Avant ces événements, il ne s'était jamais intéressé aux armes à feu. Mais après l'attaque contre l'école de Peshawar, il a senti que c'était nécessaire d'en avoir une. On n'en a pas vraiment parlé, mais quelque chose avait changé en lui. Aujourd'hui, sa famille est en deuil, mais pour ses frères, Hamid Hussein est mort en héros. Fatalistes face à l'insécurité, ils estiment qu'il faudrait plus de professeurs armés dans les écoles. Les professeurs devraient avoir une arme pour protéger leurs étudiants, c'est tout. Pas pour autre chose, ni pour l'exhiber, seulement pour l'avoir à l'université, à la maison, et quand ils font le trajet jusqu'à l'école, seulement pour leur protection. Pour le gouvernement, impossible de mettre un policier dans chaque salle de classe. Il encourage donc les professeurs à s'armer. Les licences de port d'armes seront bientôt gratuites pour eux. Dans cette école de Peshawar, le professeur Rafa Katoula n'a pas attendu ces annonces pour venir en classe avec son propre pistolet. Ça, c'est un Zigana F. C'est fabriqué en Turquie. Même si je ne suis qu'un enseignant, je n'hésiterai pas à utiliser cette arme. Si, Dieu nous en garde, une attaque devait avoir lieu. Les élèves eux-mêmes ont vu la situation se détériorer ces dernières années. Avant, on étudiait dans un environnement paisible. Mais maintenant, j'ai peur. Tout le monde est tendu. Les parents sont inquiets. L'école n'est plus comme avant. Pour le directeur, c'est parce que les écoles sont sous-armées qu'elles deviennent des cibles pour les talibans. Même si son établissement dispose de caméras de sécurité et de gardes armés, il voudrait avoir accès au même arsenal que les terroristes. Ils ont les armes automatiques les plus récentes et les plus mortelles. Nous demandons au gouvernement de fournir à chaque école une Kalachnikov avec une licence. En multipliant les attaques contre les écoles, les talibans s'en sont pris au cœur de la société pakistanaise. Et c'est elle qu'ils sont en train de modifier. Aujourd'hui, dans la province de Peshawar, tout le monde s'arme, et d'abord les écoles. Une course encouragée par les autorités. Le gouvernement menace même de fermer celles qui ne seraient pas assez sécurisées. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.